La librairie Mola est enchantée de vous accueillir ce soir pour évoquer votre nouveau roman paru cet été, Une heure de ferveur, votre sixième livre. Alors, vous êtes agrégé de philosophie, vous avez connu un grand succès littéraire avec le livre L'élégance du hérisson, qui a été adapté au cinéma, qui a été couronné par plusieurs prix, dont le prix des libraires. Depuis, vous déroulez une œuvre aux éditions Gallimard et aujourd'hui Actes Sud. Et en 2020, vous publiez Une rose seule, dont l'histoire est la suite d'Une heure de ferveur que nous allons découvrir ce soir. Alors, vous êtes sur la liste du Goncourt et du Goncourt des lycéens. Bravo. Pour information, donc, cette rencontre va durer 45 minutes, après quoi il y aura un temps de questions, de questions du public et suivi d'une dédicace. Alors, Muriel Barbery, j'ai pour ma part lu en premier Une heure de ferveur et ensuite Une rose seule. Dans quel ordre pourriez-vous conseiller aux lecteurs qui sont ici présents de lire Une rose seule et Une heure de ferveur ? Alors, grand bonsoir à tous, à toutes et tous. Je suis ravie de revenir à Bordeaux. Question compliquée. J'ai interrogé des lecteurs, enfin des lectrices essentiellement d'ailleurs, là pendant les 15 derniers jours, et les avis sont partagés. Alors, l'ordre d'écriture, c'est d'abord Une rose seule. Je n'avais absolument pas l'intention de continuer ou de précéder le roman. Ça n'est venu qu'après. Mais chronologiquement, Une heure de ferveur précède Rose. Et puis, de toute façon, j'ai conçu les deux textes pour qu'ils puissent se lire tout à fait indépendamment, pour que chacun constitue une unité qui fasse sens et qui soit cohérente. Donc, je ne sais pas. Mais dans le petit sondage que j'ai fait, il me semblerait que commencer par Rose l'emporte. Alors, ce livre, donc Une rose seule, a paru cet été. Avant d'évoquer le résumé du livre, je souhaiterais vous demander dans quel état d'esprit vous étiez au moment de l'écriture de ce livre. Que ressentiez-vous quand vous écriviez ? Pour Une heure de ferveur, vous voulez dire ? Pour Une heure de ferveur. C'est probablement l'expérience d'écriture la plus heureuse que j'ai faite jusque-là, parce que la plus sereine. J'ai toujours énormément de plaisir lorsque j'écris et chaque expérience d'écriture a apporté un lot de satisfaction assez inouï. Mais là, avec ce roman-ci, il s'est produit quelque chose de nouveau. J'ai eu l'impression d'être plus en maîtrise de ce que je faisais. J'ai eu le sentiment que j'avais réussi à monter une marche et à trouver un bon équilibre entre le fait de s'abandonner à ce qui vient, à l'histoire qui vient, et la capacité à modeler avec l'idée qu'on a au départ, et qui en général est toujours trahie, mais à modeler la matière que j'avais en tête. Donc ça a été une expérience très très heureuse, et c'est un texte avec lequel j'ai un lien vraiment profond, particulier, que je crois que je n'avais pas expérimenté jusque-là. Donc, c'est le bonheur qui vous a animé pendant l'écriture de ce livre. Je ne sais pas si je dirais bonheur, mais sentiment de plus grande maîtrise et du coup de plaisir accru, oui. Donc, votre roman, dont l'histoire se situe à Kyoto, au Japon, nous initie à la culture japonaise, celle des bains dans les lieux sacrés, des promenades dans les temples, de la cérémonie du thé. Donc ce récit est l'apprentissage d'une vie, celle d'un homme fervent, entouré d'art, d'amis, de femmes, de traditions, de temples, d'arbres, qui va cheminer vers un sens plus profond encore de son existence. Donc ce personnage s'appelle Haru Ueno. C'est un marchand d'art de 70 ans qui va mourir. Dans sa jeunesse, Haru s'était pris d'une jeune Française du nom de Maude. Celle-ci, enceinte, va retourner en France avec leur enfant, Rose, dont nous découvrons l'histoire dans votre livre précédent, Une rose seule, donc. Alors, si Haru ne connaît pas sa fille, celle-ci occupe continuellement son esprit et vient fracturer son cercle, je dirais, puisque Rose, cette part de lui, est au bout de la terre. Donc, il se retrouve alors en pensée
à devoir faire le grand écart entre deux cultures. Alors, ma première question sur le livre va porter sur la puissance poétique de votre roman. Nous sommes vraiment charmés par votre écriture, surtout lorsque vous décrivez les paysages. Par exemple, je vous cite, « C'est une belle nuit laquée de neige. Le ciel s'est glacé. Les étoiles en illuminent l'encre sans briller. » Un peu plus loin, « Sur les montagnes, les arbres coulaient comme des incendies. Au fond des cieux se fanaient des brassées de fleurs pourpres. Dans le rougeoiement des érables battait le cœur de l'ancien Japon. » Et cette phrase, avec les brassées de fleurs pourpres, revient comme une ritournelle dans votre livre. C'est magnifique. Également, on trouve plusieurs haïkus. Ce sont des formes brèves que vous connaissez sûrement. Alors, les haïkus ne sont pas de moi, il faut bien le préciser. Ils sont d'autorité largement supérieure à mes compétences poétiques. Il y a une scène que j'ai particulièrement aimée. C'est la scène du bain de nuit dans la source chaude. Mmh. Je trouve que c'est vraiment une merveille. À cette occasion, le personnage Haru voit le renard. Il comprend qu'il faut honorer. Alors, honorer quoi ? La vie, honorer la nature. C'est bientôt l'automne, les érables rougeoient. Et que ressentez-vous devant la beauté, Muriel Barbery ? Et dans quel jardin français aimeriez-vous vous promener ? Voilà, là, pour tout vous dire, après 3 ans et demi de carence, là, j'ai vraiment envie d'un jardin japonais, parce que ça fait vraiment un moment que je n'y suis pas allée. Je rêve pas de jardin français. Je suis touchée que vous évoquiez la scène dans le bain, parce que c'est une scène qui, bien sûr, comme toutes les scènes japonaises du roman, prend sa source dans mon expérience japonaise, qu'ensuite je transforme, puisque... Haru est un moi fictif. Elle se passe à Takayama, qui est une petite ville japonaise que peut-être certains d'entre vous connaissent, dans les montagnes au nord-ouest de Kyoto, et qui est une sorte de petite Kyoto préservée sur 3 ou 4 rues. Il y a vraiment quelques rues anciennes qui font penser à Gion, le quartier traditionnel de Kyoto. Et c'est environné de montagnes. Et à 2 reprises, je suis allée dans un ryokan, dans une auberge traditionnelle, pas très loin de Takayama, qui se trouve située sur les bords d'un torrent. L'auberge est vraiment magnifique. C'est une grande bâtisse traditionnelle en bois, mais qui a été en partie modernisée, puisque toutes les vitres sont des vitres sans teint, des espèces de grandes ouvertures parfaitement modernes et épurées, qui donnent sur les cascades, qui donnent sur les arbres. Et l'expérience du bain a été, du bain dans la nuit ou dans le jour déclinant, a été très forte pour moi et comme pour pratiquement tous les Occidentaux qui l'ont faite, parce qu'elle instaure un autre rapport à la nuit, une autre façon de se mettre en rapport avec le jour qui tombe. Les Japonais aiment prendre les bains à la nuit tombée parce que le fait d'entrer, peut-être, j'imagine, le fait d'entrer dans l'eau, au moment où le jour finit, est comme le symbole d'une entrée dans autre chose, dans un autre monde, un monde d'invisibilité, un monde de vie frémissante. Et donc je suis ravie si j'ai réussi à transmettre cette émotion-là dans la scène, qui est une scène importante, parce que Haru Ueno, à ce moment-là, lorsqu'il vient d'apprendre qu'il est père, et également dans le même temps, ce qui est d'une cruauté infinie, qu'il ne pourra pas voir sa fille. Et au lieu d'essayer de comprendre ce qu'il va devoir faire pour conjurer cette malédiction, il retourne en arrière. Il va voir ses propres parents. Il retourne dans sa propre famille. Donc c'est un moment charnière. Oui, il retourne dans sa propre famille. D'ailleurs, à ce moment-là, si mes souvenirs sont bons, il hésite entre le fait de rester et le fait de fuir. On sent une panique à cet instant. Et je crois qu'ils boivent ensemble du saké. Alors, bon, c'est un peu obligatoire, puisqu'il vient d'une famille de brasseurs de saké. Et donc, on boit... De toute façon, au Japon, on boit beaucoup de saké. Et puis, ce personnage-là boit énormément. Et donc, ils boivent du saké. Et il est pris de... C'est un personnage...
très contrasté, Arueno, parce qu'il a des parts d'ombre. C'est un homme très sûr de lui, qui a réussi. C'est un marchand d'art épris de beauté, qui n'a peur de rien, qui veut conquérir le monde et qui y parvient. Et en même temps, on sent des failles, des craquelures en lui. Et elles sont là, elles sont dans son rapport à sa famille, à Takayama. Et donc, juste après cette visite chez sa famille, il se rend compte que son père a vieilli. Donc, c'est une première... après l'absence de sa fille, la deuxième rupture, le deuxième coup de butoir, on va dire, sur la certitude qu'il a de lui-même, c'est que son père vieillit, que le temps a passé. Et s'ensuit cette magnifique scène de bain de nuit où il va rencontrer le renard. Ah, voilà. Donc vraiment, ce sont deux, trois pages magnifiques, extrêmement sobres et poétiques. Ce sont vraiment mes pages préférées du roman. Voilà, j'espère qu'elles vous plairont également. Et ma question aussi portait sur dans quel jardin français aimeriez-vous vous promener. Donc du coup, vous m'avez répondu au Japon. Oui, voilà. Enfin, il y a plein de jardins français sans doute auxquels je ne pense pas ce soir. Le jardin Albert Kahn à Paris, par exemple. C'est toujours un peu compliqué. À plusieurs reprises, revenant du Japon, j'ai été tentée d'importer des façons japonaises, d'acheter un très bon matcha et tout ce qu'il faut pour le préparer en France, de rapporter des denrées pour cuisiner. Et évidemment, ça ne marche pas. Évidemment, la magie, elle est là-bas. Et ce qu'on croit pouvoir reproduire avec les objets vient en fait du cadre qui, lui, ne peut pas se transposer. Moi, j'ai bien planté deux érables dans mon jardin quand même. Mais voilà, c'est tout. Alors, j'ai relevé une phrase importante dans votre roman, mais que vous venez de citer. À 20 ans, Haru n'a rien, mais il savait qui il était. Comme disait Socrate, connais-toi toi-même. La séparation avec sa fille, les morts environnantes, son père vieillissant, tout cela va le guider vers la connaissance profonde et authentique de la vie. Car comme on le lit plus loin dans votre roman, je cite encore Murel Barbery, « Un homme qui croit se connaître est dangereux. » Alors, pour bien mourir, on a à déconstruire toutes ses croyances et se retrouver ainsi à ce moment où tout a été trié, il ne reste plus que l'os nu de l'existence. Je vous cite. Qu'est-ce qui nous aide à faire ce pas pour vous? Est-ce que c'est l'art, la souffrance, l'écriture? Alors, pour moi, c'est un peu compliqué, mais pour mon personnage, en tout cas, très, très clairement, ce qui va l'aider à cheminer pendant les 5 décennies où je le suis, c'est l'amour de l'art et c'est l'amour de la beauté. C'est un homme qui, depuis l'enfance, est fasciné par les formes. Mais il est parfaitement japonais en cela, puisque, comme vous le savez tous, il n'y a pas de pays avec une plus haute estime de l'esthétique que le Japon. Et donc, il trouve la satisfaction de son existence et les ressources de penser cette existence dans l'art, dans la poésie, dans l'amitié aussi. Et au fil de ces années, au fil de ces décennies, on voit de quelle façon il va devenir l'homme qu'il a toujours été, épuisé dans ses ressources pour se construire sans cesse, sans se trahir. Donc vous pensez que l'art est une bonne préparation au travail de mourir, que l'art permet cette transformation? Je pense que l'art peut constituer la passion la passion d'une vie. Et si c'est le cas, bien vivre et bien mourir, ça peut aller ensemble, oui. Alors, votre roman commence par le titre du premier chapitre, « Mourir », et se termine par le chapitre « Naître ». La mort est très présente dans votre livre. Et si l'on reprend tous les titres des chapitres de la fin au début, nous lisons «
Naître ailleurs longtemps après mourir. Naître ailleurs longtemps après mourir. Et plus loin, vous écrivez... Enfin, c'est dans l'autre sens, hein, si je me souviens bien. Parce que naître, c'est le dernier... C'est à la fin, voilà, c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Il meurt d'abord et il naît ensuite. C'était ça, ma grande idée de départ. Oui, 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 voilà. En effet, puisque plus loin, vous écrivez, « Tout homme marche vers l'heure de sa naissance. Nous mourons à la solitude et renaissons à la lumière. » La mort est-elle une naissance pour vous ? Et qui ferait de la vie un apprentissage pour renaître ? Alors, je ne sais pas répondre à des questions aussi ambitieuses, mais en revanche, je peux essayer de le faire en vous disant ce qui s'est passé lorsque j'ai commencé à écrire le texte. C'est-à-dire que, je ne pensais pas du tout que je donnerais une suite, ou en tout cas que je reviendrais, que je retournerais en arrière, que j'irais dans le temps pour comprendre ce qui était arrivé au père de Rose. J'avais en tête une image de départ, une image et l'idée d'une forme, d'une structure, qui était celle d'un homme aux portes de la mort, dans un temple zen, seul, méditant, repassant, revisitant sa vie, vraiment aux dernières heures de cette vie. Et je pensais que j'allais écrire un texte très court, très méditatif, très lent, où cet homme repasserait en quelques heures l'essentiel de son existence. Et puis lorsque j'ai commencé à essayer d'écrire, je me suis rendu compte que je n'arrivais absolument pas à quitter les personnages de Rose, et que cet homme, ce serait son père, et qu'il fallait que je rejoigne mon image présente et mon roman passé pour écrire le nouveau texte. Mais ce que j'avais très très clairement en tête, c'est que je voulais montrer comment un homme vieillissant et se confrontant à la maladie et à la mort, allait vivre cette fin comme une naissance. Et de quelle façon il allait pouvoir transformer l'effroi de ce qui venait, puisque je savais que j'allais raconter sa mort à un moment donné, et même que le roman s'ouvrirait sur cette mort, de quelle façon il allait faire en sorte qu'à l'instant ultime, il y ait de la lumière. Voilà de quelle façon ça s'est produit. Alors, donc, je ne sais pas répondre à votre question générale, mais le roman explore cette étrange transformation qui est celle de Haru Ueno et qui est la transformation d'un homme qui aime la vie, mais qui va comprendre comment mourir. Et peut-être que de comprendre comment mourir, c'est peut-être... d'arrêter de regarder, comme il est écrit dans le roman à plusieurs fois, à plusieurs reprises. D'accepter l'éloignement aussi qu'il subit, hein, puisque sa fille est en France. C'est peut-être cette acceptation, cette vulnérabilité qui le conduit à être prêt. Oui, alors vous avez dit une chose importante, j'ai oublié le terme, mais ça m'a fait penser à une autre chose qui structure le roman, hein, qui va dans le sens de votre question. Un des piliers de mon expérience japonaise, indépendamment de l'extraordinaire plaisir esthétique que j'ai quand j'y suis, et qui est d'ailleurs un plaisir à la fois esthétique, mais aussi un plaisir de l'esprit, ce n'est pas qu'un plaisir des yeux, il y a quelque chose qui se produit et qui est de l'ordre du spirituel, indépendamment du plaisir que j'ai à jouir de toutes ces beautés offertes par l'art japonais, une des choses qui m'a le plus frappée lorsque j'étais au Japon, tout en m'y sentant parfaitement étrangère, c'était le sentiment de n'avoir jamais été aussi présente aux choses par instant. C'est-à-dire qu'il y a certains lieux, en particulier à Kyoto, où j'ai eu le sentiment d'être soudain capable de me sentir ancrée et présente à ce qui m'entourait. C'est très dur d'être présent dans le présent. C'est une des choses que je trouve les plus difficiles dans l'existence. On a toujours le sentiment d'être soit en arrière, soit en avant, de ne pas arriver à s'incarner et à ressentir la présence du monde et sa propre présence avec la même puissance que celle que j'ai éprouvée là-bas.
Je crois que c'est ce qui arrive à mon personnage. Tout le roman parle de ça. Le roman parle de la présence au monde, à soi, de la présence des morts, bien qu'ils ne soient plus là, de la présence en dépit de l'absence. La fille de Haru n'est pas là et pourtant elle structure et constitue le fil d'Ariane de toute son existence. Il y a des puissances invisibles à l'évidence au Japon. Et bien que je sois parfaitement athée, je ne peux pas ne pas reconnaître que je les ai sentis. Il faut bien que cet invisible ait un fondement et qu'il s'explique. Voilà, la vie d'Haru Ueno est traversée par ce sentiment que j'ai eu là-bas, que la question de la présence et de l'absence ne se jouait pas de la même façon qu'ailleurs. Un de vos personnages, Jacques Mélan, évoque cette heure de ferveur qui est le titre de votre roman. Et il dit « Elle est devenue ma chair, mes os, mon sang ». Ce qui nous fait revenir à ce que vous disiez précédemment par rapport à cette conscience de l'instant présent. Là, on sent qu'il y a comme une métabolisation de cette heure de ferveur. Elle est devenue lui, c'est ça, hein, dans son corps. Et donc, il est question, dans ce passage de l'heure de ferveur, une sorte d'expérience, je dirais, mystique, vous me direz, où notre corps devient le temps. Il devient aussi cette ferveur. Et de même, vous décrivez Haru Ueno, votre personnage principal, comme un homme de 70 ans qui se repaît de la mort qui vient. En disant, enfin en écrivant, enfin il est accordé aux choses, à tel point que l'intensité de sa propre présence au monde lui donne le vertige et qu'il devient un iris en le regardant. Avez-vous ressenti cela un jour, de faire corps avec ce que vous observez, de devenir la fleur, de devenir une heure, de devenir la joie? Est-ce que l'on est ce que l'on voit? Alors, c'est plutôt un fantasme que quelque chose à quoi je suis parfaitement parvenue. Mais il y a eu quelques moments dans des endroits très particuliers à Kyoto où j'ai ressenti ce vacillement, où j'ai eu le sentiment que quelque chose de moi s'abolissait, rendait plus poreuse ma présence au monde, annulait l'écran qui me séparait des choses et faisait que j'atteignais une forme de plénitude nouvelle. Ce sont plutôt des flottements et des vacillements qu'une expérience qui, elle, serait alors là proprement parlée mystique. Mais oui, Kyoto et Takayama m'ont fait cet effet. Est-ce que vous savez d'où vient le titre, d'où vient une heure de ferveur, parce que c'est pas de moi. D'accord. Je l'ai volé. Ah. Je l'ai volé à Saint-Exupéry, à un texte de Saint-Exupéry que je relis assez régulièrement, qui est celui que je préfère de lui et qui n'a absolument pas vieilli, qui s'appelle Terre des hommes. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent. Et dans ce très très beau texte, qui est un texte qui parle de l'enchantement des paradis perdus et en même temps du fait qu'ils ne sont jamais vraiment perdus puisqu'on les a vécus, il y a un passage sur le désert que Saint-Exupéry a connu quand il était jeune aviateur et qu'il accomplissait la liaison Paris-Dakar. Et il se remémore ces moments merveilleux où tout était encore neuf, où tout était encore vierge. Il regrette que désormais, dans le désert, on creuse des puits de pétrole et qu'on s'y enrichisse. Et il dit, il écrit, « Les oasis secrètes, les palmeraies interdites que j'ai connues à cette époque n'offraient qu'une heure de ferveur, mais c'est nous qui l'avons vécue. » Et cette phrase, depuis longtemps, me fascine parce que elle me semble concentrer tous les défis de l'existence en quelques mots. Y aura-t-il une heure de ferveur? Parviendrons-nous à la vivre? Comment ne pas la laisser échapper? Où se niche-t-elle? Où se loge-t-elle? J'ai une manière de... Je prends souvent note de phrases de cette façon-là qui trouvent en moi un écho démesuré et parfois, longtemps après, elles reviennent structurer ou hanter les textes que j'écris. Pour une rose seule, c'était un poème de Issa. Qui, lui, ne résumait pas les défis de l'existence, mais sa matière même, puisque ce poème dit « Nous marchons sur le toit de l'enfer en regardant les fleurs.
Et là, en trois vers, comme toujours, les Japonais sont capables de concentrer l'infini en très peu d'espace. En trois vers, il y a la définition, la matière même de l'existence entre fleurs et enfer. Et là, l'heure de ferveur pose la question précise du temps de nos existences et de la possibilité que dans ce temps de nos existences, il y ait, à un moment donné, cette ferveur sans laquelle elle ne vaut pas d'être vécue. Un moment où on fait vraiment corps avec cette réalité de soi. Pour citer ce passage avec votre personnage Jacques Mélan, on sent bien, on comprend bien comment cette heure de ferveur est vécue par son corps et son esprit. En tout cas, voilà ce que je voulais vous dire. Ma vie n'offrait qu'une heure de ferveur et je l'ai vécue grâce à vous. Or, au moment de tirer ma révérence, je me dis avec émerveillement, cette heure, je l'ai vécue. Comprenez bien, ce n'est pas un souvenir que je me remémore avec joie, quelque chose qui m'aurait aidé à vivre toutes les autres heures. Elle est devenue ma chair, mes os, mon sang. Elle est passée en moi tout entière. Je suis cette brève et furieuse ferveur. Oui, Jacques Mélan est l'exemple, le contre-exemple parfait de Haru, puisque c'est un antiquaire français qui pense et sait très largement qu'il est passé à côté de sa vie, sauf au moment où il pose le pied à Shinnyodo, qui est le temple et la colline où vit Haru Ueno, et où quelque chose se passe en lui, où soudain il se met à éprouver une émotion incroyablement forte qui va suffire à justifier le reste médiocre de son existence. Ce qui est absolument l'inverse de Haru, qui n'est que fervent pendant toute sa vie. Mais tous deux l'auront vécu. Un autre personnage important de votre livre, c'est l'ami de Haru, Keisuke. Keisuke, oui. À un moment, il dit « Rien n'est moins caché que l'invisible ». Et à un autre moment, c'est un prêtre qui dit « L'invisible n'est jamais caché ». Thème très Saint-Exupérien. D'ailleurs, là, je dois dire que ce n'est pas moi qui invente le fait. Mais en revanche, il s'incarne parfaitement au Japon. D'ailleurs, ça me fait penser que le Petit Prince a un succès extraordinaire au Japon. Les Japonais adorent le texte de Saint-Exupéry. Et pour des raisons universelles, et aussi, je crois, pour des raisons proprement japonaises. Parce que le renard et l'invisible parlent profondément à leur cœur. Enfin, je parle pour eux, il faudrait leur demander, mais j'en ai le sentiment, en tout cas. Mais justement, vous me faites une magnifique transition en parlant du Petit Prince, et vous allez voir pourquoi. Vous nous entraînez avec cette histoire dans un monde magique, dans un songe semi-éveillé, entre deux mondes, entre les morts et les vivants, la nuit et la clarté des demeures, le passé et l'avenir, où l'on ne sait jamais vraiment si les personnages sont vivants ou s'ils sont des fantômes. En effet, Haru rencontre Maud, la jeune Française dont il tombe amoureux. Elle est rousse, et un peu plus tard, Haru rencontre un renard. Maud semble être morte, et le renard semble être son apparition. Alors, que représente ce renard au Japon, et pour l'auteur que vous êtes ? Alors, bon, que représente le renard au Japon, ça donnerait la matière à une conférence de 28 heures, probablement, et je n'ai pas les compétences pour ça. Mais c'est certain, ceux d'entre vous qui y sont allés le savent, que le renard est omniprésent dans le quotidien des Japonais, puisque il y a tout un tas de légendes et de mythologies autour de la figure du renard. Et puis, il y a une des déesses les plus importantes du shintoïsme, Inari, On dit qu'elle prend l'apparence de renard et la plupart des temples shinto dédiés à Inari sont précédés de magnifiques renards de pierre blanche, souvent sculptés. Donc dans l'animisme shintoïste, le renard est un des animaux les plus présents. Et j'ai un goût en plus personnel pour les renards. Mais ce à quoi vous faites allusion dans le texte, c'est une petite histoire que raconte Haru à Maud pour essayer de la séduire, qui lui a été racontée par son ami Keisuke. Un artiste assez atypique, perpétuellement inspiré et perpétuellement sous, ce qui va parfois ensemble d'ailleurs. Et cette histoire de renard est probablement une des premières
chose que j'ai écrite lorsque j'ai commencé à tâtonner, à essayer de trouver mon chemin dans le texte, et je ne sais pas d'où elle est venue. C'est une histoire dont on imagine que le potier la tire de la littérature classique japonaise, où il y a beaucoup de renards aussi. Et je ne savais pas d'où surgissait cette histoire qui mettait en scène l'animal, un jeune renard, une dame, une princesse de l'époque classique japonaise, qui se parlaient et qui se racontaient leur mort. Et je suis toujours très attentive lorsqu'une histoire que je ne maîtrise pas surgit, parce que je sais que là, le véritable travail de plonger dans les profondeurs intérieures qui va ensuite nourrir le texte commence. Et donc, j'ai décidé, puisque je n'en comprenais pas moi-même le sens, d'en faire un autre fil d'Ariane du texte et de faire en sorte de la comprendre peu à peu. Et à la fin, les personnages, avant de mourir, les personnages du texte la comprennent chacun à leur façon, puisque comme vous le savez, les bonnes histoires sont susceptibles de multiples interprétations. Alors, ce livre oscille entre sagesse, magie, poésie, conte. Plusieurs personnages de votre livre ont à voir avec le surnaturel, que ce soit Maud, Sayoko, la gouvernante de Haru, qui est voyante, extra-lucide, Keizuke, donc l'ami de Haru, qui est visionnaire aussi, car il sait voir et il sait ne pas regarder. D'ailleurs, quand il voit Maud, la jeune Française, pour la première fois, Keizuke sent une non-présence. Il voit le brouillard, il voit une forme sans jointure et en même temps un incendie, pour vous citer. Et ensuite, en autre personnage qu'on pourrait dire sur le naturel, il y a donc ce renard. Certains de vos personnages semblent être des messagers d'un monde invisible, comme si leur rôle était de guider Haru et Rose vers leur transformation. Vous-même, ne seriez-vous pas un messager qui nous livrerait par ce roman un message d'un monde que vous percevez? Et si oui, quel serait ce message? Alors, pas de message. Je le précise tout de suite. C'est d'ailleurs, je crois, pour ça que j'écris des romans et que j'ai tourné le dos à la philosophie, parce que justement, il n'y a pas de message, mais au contraire, une tentative d'explorer la complexité des choses et leurs contradictions, leur apparente incohérence et parfois leur réelle incohérence. En ce qui concerne, pardon, du coup, j'ai oublié votre question. Oui, ma question. Ah oui, non, non, je sais ce que je voulais vous répondre. Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de surnaturel dans le roman. Le personnage de Sayoko, qui est l'intendante de Haru Ueno, qui a des pressentiments très forts, est un personnage presque amusant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un grand fondement à ses prophéties et à ses intuitions. C'est plutôt la transcription de ce que j'ai ressenti au Japon, ce sentiment permanent de flotter entre deux mondes, de flotter entre un monde quotidien, moderne, et des effluves de quelque chose d'autre qui trouve sa source probablement dans tout le merveilleux patrimoine conservé de l'ancien Japon, dans ce que l'on ressent dans les temples de présences ineffables qui n'ont de fondement que dans l'esprit, mais qui sont réellement présentes à l'esprit. Et donc, je crois que le surnaturel s'arrête là, à ce sentiment qu'au Japon coexistent des strates de l'existence qui sont plus fluidement accordées, alors que notre rationalisme occidental, en général, les oppose. Même si nous croyons à peu près à tout. Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, donc c'est vrai qu'au Japon, il y a un attachement très puissant à la forme. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'artistes dans ce livre, puisque Haru est marchand d'art, son ami Keizuke est potier, comme vous disiez. Donc, il y a à plusieurs reprises dans ce livre le questionnement sur le lien entre l'essence et la substance. Est-ce la pensée qui crée la forme ou la forme qui crée la pensée? Ça, c'est une réflexion qui revient régulièrement, j'ai l'impression, dans votre livre. Par exemple, Haru, à 20 ans, dit qu'il savait également ce qu'il voulait. Il n'attendait que d'en comprendre la forme.
Et dès la première page, on l'apprend, Haru recherche la forme. D'ailleurs, il choisit sa gouvernante à sa forme. Donc le mot forme est comme une ritournelle dans le livre qui revient. Haru a appris des pierres du torrent dans le village natal que l'esprit naît de la forme. Son ami Kezuke dit à Haru mourant, ton obsession de la forme, c'est celle de la maîtrise. Alors là, c'est vrai qu'on comprend quelque chose à ce moment-là par rapport à cette obsession, je dirais, de la forme. Et il lui dit, alors qu'il faudra accepter de ne plus regarder et de laisser l'autre nous montrer qui nous sommes. Pourriez-vous nous dire ce qu'est la forme pour vous? Comment vous la percevez-vous? Et pourquoi est-ce si important? Même chose, c'est une question ambitieuse. Il y a évidemment une donnée esthétique. Là, c'est vraiment un goût personnel. Tous mes romans parlent d'art. Il n'y en a pas un seul. Il ne soit pas question de la beauté des formes, de l'extase que ça procure, qu'elle soit d'ailleurs naturelle ou artificielle. C'est un goût propre qui fait que j'aime regarder, j'aime les formes visuelles passionnément. Il ne s'agit que de moi. Et puis, j'ai de nouveau perdu mon idée, la forme. Ah oui, non, et par ailleurs, c'est aussi une obsession probablement d'auteur, enfin d'écrivaine, puisque même avec l'écriture, la question première que je me pose n'est jamais celle de l'histoire, n'est jamais celle du contenu, c'est toujours celle de la forme. C'est toujours celle de l'écriture qui va permettre de porter une histoire dont je sais qu'elle est forcément tapie en moi. Elle existe, elle est déjà là, les histoires nous tissent et nous façonnent, et elles viendront à la lumière d'une façon ou d'une autre. Évidemment, il va falloir du travail sur le récit pour qu'elle puisse venir à la lumière du jour avec clarté. Mais c'est jamais une question que je me pose, celle du récit, celle de ce que je vais raconter. Il y a toujours une image de départ. Et puis, la question de la langue, de la forme qui va incarner cette intuition de départ. Et une des raisons pour lesquelles j'ai le sentiment que j'ai un rapport particulier avec ce texte-ci, c'est que pour la première fois, je crois, j'ai eu le sentiment non pas d'être maîtrisée par l'écriture, de suivre une intuition qui m'était dictée par ma plume, mais au contraire d'imprimer la marque que je voulais, d'arriver à travailler dans le sens que je voulais donner au texte. Et donc le travail de précision, le retravail permanent du texte, sur le rythme, sur la syntaxe, le ton, les registres de langage, a été nouveau. Oui, donc c'est le langage qui est lui-même une forme et qui crée l'histoire, c'est ça. On a l'impression que l'histoire est en vous. Qui incarne l'histoire. Oui. Et de toute façon, le langage est toujours plus qu'une simple forme. En littérature, la simple forme n'existe pas puisqu'il porte à chaque fois un sens et une forme. Connaissez-vous ce poème de Gertrude Stein ? The rose is a rose is a rose. Avec cette évocation de la forme des pétales, le fait de le lire, donc ce poème, fait naître l'image dans son esprit d'une rose. Donc c'est un poème que j'ai trouvé intéressant pour parler de votre livre. Mais aussi, moi j'ai pensé à Cézanne en vous lisant. Pour qui l'espace et les formes naissent de la couleur, est-ce qu'il en est de même pour vous? Non, pour moi, c'est vraiment toujours du langage, d'un travail sur le matériau même de la langue. Je suis passée d'un style très proustien dans ma jeunesse, puisque j'ai été élevée par une mère proustienne, à un style que j'essaye de resserrer de plus en plus, que je voudrais de plus en plus sobre, de plus en plus épuré, qui soit capable de montrer la complexité justement avec les armes de la plus grande simplicité. Je ne sais pas si ça répond à votre question.
Et pour autant, il y a des moments de description de paysage où il y a vraiment une attention très, très forte sur les couleurs, il m'a semblé. Oui, sur toute la sensorialité. Mon premier roman, qui s'intitule Une gourmandise, il y a maintenant 22 ans, mon premier roman qui racontait la guenille d'un grand critique culinaire et que mon éditeur et ami ici présent, Jean-Marie Claftine, a publié, était un roman qui explorait tout le champ sensoriel, puisque aux portes de la mort, ce critique se remémorait en cherchant désespérément une saveur d'enfance, tous les festins de ses jeunes années et moins jeunes. Et là, je pouvais mobiliser tout le registre sensoriel. Je crois que je continue à aimer en mobiliser toute la palette. Les références au temps sont vraiment nombreuses dans ce livre. On comprend que certains rituels ont le pouvoir de nous faire sortir de la roue du temps, que ce soit le thé, le saké, l'art, la méditation. Donc tout à l'heure, on l'évoquait avec ce passage de votre livre où Haru revient dans son village d'enfance. Il remonte les rues de son village. Et là, vous évoquez une trouée de l'espace-temps qui menait aux manes de l'ancien Japon. Il pensait « Kyoto en est le poumon, Takayama le cœur, un cœur simple et fervent, ancré dans ces maisons sans âge, qui dérivent sur la vague du temps. » Et un peu plus loin, il y a aussi donc ce passage où Haru est toujours dans le village de son enfance, où sa famille donc fabrique du saké. Et là aussi, on comprend que il arrive à sortir du temps circulaire. Et il est question du travail, de ce travail qu'a fourni sa famille. Et donc là, je vous cite. Le labeur ne laissait pas la place à la contemplation, mais à l'absence de labeur. Il n'y avait de temps que pour une matière brute dont personne ne percevait la figure cachée. À l'inverse, le cours d'eau devant la maison disait « Le monde ne demande qu'à exhaler ses formes. Travail dur pour ouvrir des portes invisibles. » Donc là, ce qu'on sent à différents moments dans votre livre, c'est cette question du temps qui, comme vous le disiez avant cette rencontre, est le personnage principal de votre livre. On le sent aussi avec la cérémonie du thé. Le monde au dehors frémissait. La chambre se faisait présence, ici et maintenant étincelée, et deux amis vivaient pour une heure côte à côte, hors du temps. Alors voilà ma question, avez-vous fait cette expérience de vous extraire du temps? Et si oui? On revient au début de notre discussion, c'est-à-dire à ces moments de ferveur et de grâce que nous cherchons tous à vivre dans le cours de nos existences. Je cherche la bonne entrée. Ce qui se passe dans le roman, c'est que l'on voit des personnages qui sont en quête d'instants de grâce, de moments où le temps se transfigure et où on a le sentiment que le flux du temps, qui jusque-là paraissait implacable, nous entraîner sans que nous puissions rien y faire, devient une petite gemme d'éternité où il nous donne soudain la sensation que nous sommes dans un moment ou dans un espace, les deux à la fois, clos, qui permet d'expérimenter une forme de grâce. Et en vous lisant, on l'expérimente. J'avais une dernière question. Quelle boisson conseilleriez-vous à tout lecteur de votre roman? Alors, c'est... Le thé qui fait voir la porte de l'invisible, celle qui mène aux autres, le saké ou les deux? Les deux, bien sûr. Il n'y a aucune raison de choisir ou de trancher. Mais l'un après l'autre, si possible. Alors, je vous remercie beaucoup, Muriel Barbery. Merci beaucoup au public pour votre présence.